Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Far Cry 4. On va continuer ce qu'on avait commencé hier. Ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un problème qui a été corrigé par un patch, enfin non, par une mise à jour de votre pilote graphique chez Nvidia pour tout ce qui est ombre, dans les ombres dans le jeu. Et également pour la map. Pour les autres, je ne sais pas. Alors, vous avez sûrement un patch via Ubisoft qui a dû sortir. Jay, quand t'auras On le va voir temps, tout de suite si ça s'est va arrangé. voir Longinus. C'est un ami du Sentier d'Or. Il sera reconnaissant de ton aide. Longinus, tu dis? Oui. C'est un marchand d'armes et un prêtre, aussi bizarre que ça puisse être. Longinus est un peu dingue, mais si tu veux des armes. Alors, la carte fonctionne. Ouais, c'est bon. C'est l'homme qu'il te faut. Je t'envoie ses coordonnées. Alors. On arrête de jeter les appâts. C'est des pierres. Alors là, si j'ai bien compris, on n'a plus d'armes. Donc là, notre point trouve là-bas. Est-ce qu'on peut mettre un marquage? Là, Longinus. Marqué, voilà. Ah, voilà. C'est loin. De pas se faire bouffer par un croco ou quelque chose dans le genre. Bon, là on a du sanglier. Zut, ça c'est costaud. Oh merde! Événement 2, Karma, escarmouche les rebelles au combat. D'accord, on a droit qu'à une arme pour le moment. Alors c'est beaucoup mieux l'arc. C'est sûr, fouiller. Merde. Oh, le pauvre, il se fait rouler sur la tête. Alors attendez, on va bien les fouiller. Un bâton lumineux. Bon, ils sont morts, autant les faire. Hein. Faire les poches, hein. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir. Alors, on est en pleine nuit là. Hein. C'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont fait attaquer par qui? Par quoi? Des touristes? En pleine guerre civile, ça m'étonnerait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre la montagne, mais pas à cheval. Ah, un quad, enfin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un panneau? Ah, des copains. Ah, c'est bien l'effort. Alors, il y a le système de conduite automatique là que vous voyez. C'est un système qui est très pratique. Alors, sauf s'il ne se pousse pas. Voilà. Hop. Rejoins dans le marqueur. On y va, on y va. Alors, ce qui serait pratique là, c'est qu'on est... La guerre civile encore. Hop. Terminé. Ouais. On va aller récolter quelques trucs. Oui. Merci. C'est pas passé loin. Ouh. Pas des mercenaires. Alors, faut qu'on retrouve la route, nous. On était là-haut. Par là, quelque part. C'est très difficile de se repérer. Hein. Alors, voilà notre petit quad. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, comme ça, toi. Oh. Plein milieu, le mec, il s'arrête. Alors, ici, on a... Petit coffre. Ouais. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ok. Il disait qu'il tenait bizarrement. On n'a pas une torche? Non, on n'a pas une lampe torche. Très pratique. Alors là, je me suis mis vraiment dans l'ambiance, c'est-à-dire que j'ai baissé ma... J'ai configuré, pardon, la luminosité comme ils me disent de configurer. Donc du coup, vraiment, on a du mal un peu à voir la nuit. Je sais pas si ça se voit vraiment dans le stream, mais... Oh, il a du mal à esquiver encore. Oh. Un rhino. Essaye de pas se faire rentrer dedans. Non, il a peur, c'est bon. Ouh. C'est la guerre civile partout là. Ok, on est arrivé apparemment. Ah, d'accord. Oh, calmez-vous les mecs là. Faut fouiller tout. Et tout est... Allez. Bienvenue, je suis Longinus. Longinus, ah ouais. Il est bien équipé, toi, monsieur. Tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues? Bien sûr.
Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit... Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il ? Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai ? Et un lion, ça a besoin de crocs ? Quelle flingue choisirait Jésus ? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Je comprends pas ce que vous... Un soldat sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edgy. Chaque arme est une Bible. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de pagane, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout Sabal, de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'embête pas, Arsène! Alors il leur dit, allez de par le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! C'est parti! Il me faisait penser un peu au... au noir dans le cinquième élément. Oui, le chat, allez, descend. Oh! Okay, on va pas s'en mêler. Le rhino a l'air de faire le boulot. J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque. Et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Kirat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça. Et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Ne la laisse pas t'enfoncer, AJ. Ishwari ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Oh, un aigle qui m'attaque. Je sais pas vraiment si c'est un aigle, mais ça va être un vautour, un truc dans le genre. Allez la biche, allez, avance. Faut qu'on galope pas mal apparemment ici. Hein. Hop. Bon, je l'avais pas vu l'hippo. Alors le jour s'est levé. Alors le jeu est quand même foutu mais bon. Oh. On va éviter de se faire embrocher. Alors on va essayer de grimper.
ça au plus vite. Alors il me semble que c'est par là. Ah d'accord, on revient au village. Alors... Hop là. Allez, on est parti. Et on grimpe. On arrive. Ouais, faut bien descendre la montagne, mais après faut la remonter. Voilà, hop là. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Je suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain. Ah, c'est la guerre ici. Tout ce que tu pourras. Je suis pas loin. J'arrive avec des renforts. Alors, comment on va se démerder ici? C'est le bordel. Ok. Oh bah alors. Allez, on va passer par là. Oh non, je suis mort. Merde. Alors, je sais pas pourquoi ils me donnent des armes. À chaque fois des nouvelles armes et ils m'enlèvent l'ancienne. Je suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain. Reste à couvert et sauve tout ce que tu vois. J'essaie de récupérer une AK. J'arrive avec des renforts. J'essaie de récupérer une AK-47 plutôt sur quelqu'un. L'arc, ça m'allait bien, hein, parce que... Alors lui, qu'est-ce qu'il a? C'est un pyromane. Hop. Ah, j'ai rien de débloqué pour l'instant. Ah. Mais je lui tire là. Ok.
Bon, ça pète de partout ici. Ouh, c'est merde. Il y a le feu par ici, on pourra pas passer. Oh, il nous reste 15 balles. On va mourir. Ils doivent tous mourir. Il y a des soldats qui se dirigent vers la maison communautaire. C'est là que se trouve Sadra. Était, double là. Allez, go. À la maison communautaire. Alors c'était ici. Oh. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ok. Sadra, t'es où? Ah, ok. On va sauver la gamine. Et on va se faire une copine par la même occasion. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Voilà, retour à l'envoyeur terminé. Roi mine dans le menu collection, c'est qu'il y a des mises à jour à mesure que vous rencontrez des gens, découvrez des lieux, chasser des animaux. Ok.
Mon frère, il faut qu'on parle. Sabal, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Banapur. Et Amita se concentre sur l'avant-poste. Toi, il faut que tu nous aides avec les otages. Je sais que je t'en demande beaucoup, mon frère. Mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste. Mais Amita a dit... L'avant-poste est important. Mais notre priorité doit être la vie de ces otages. Le peuple du Kirat dépend du Sentier d'Or pour sa protection. On ne peut pas les abandonner. Libère les otages, mon frère. Oh, c'est toujours aussi beau à regarder. Hein. Alors... Le Sentier d'Or doit tuer Pagan. Regardez ce fidèles. Que Pagan Min a fait. Ça n'est pas la fin de Banapur. Essayer de retrouver. Alors, où est-ce qu'elle était la tyrolienne? Ah, c'est là. On va espérer un petit vol en delta plein. C'est toujours plus sympa. Allez, on va faire un peu de tourisme. Allez. On doit aller là-bas, de toute façon. Ouh, c'est tendu, c'est tendu. Oh! Petit bobo, hop. Attendez. Je viens de voir un truc sur la carte. Voilà. À droit. Ah, il est foutu. Et merde. Alors, c'est un peu la jungle, donc faudra faire gaffe. Un aigle. Oh là. Alors. Tuer les gardes et sauver au moins deux otages. Ok, on y arrive. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer de front. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va escalader par là. Hop. Là, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Ah! Ça, je préfère.
On va faire ce qu'on va essayer de les séparer. Bon, alors on essaie de prendre de la hauteur. On va plutôt essayer de prendre de la hauteur. Voilà. Je vois un autre garde et un autre là-bas. Alors lui c'est qui? Ah ok, c'est les otages. Écoutez, on va commencer par là. Par celui du fond si on peut. Ok, ok, on doit pas se faire repérer. Ça. Je savais pas qu'il y avait un troisième là-dedans. Donc on va recommencer. Voilà. C'est chaud, hein. Alors on est au niveau de la difficulté, vous avez 3 difficultés. Là j'ai fait une connerie. On a 3 niveaux de difficulté, je vous disais. Donc on a le niveau facile, le niveau intermédiaire et le niveau je ne sais plus au-dessus. Donc là on est au niveau intermédiaire. Et on est du mauvais côté. Okay. Je sais pas s'il a entendu. Déjà, je vais essayer de choper l'arc de l'autre côté. Ah bah il y en a un là. Okay. Ok, très bien. On a 10 flèches. Comme le système de visée est un petit peu flou encore. Ah là-bas. Pas se faire opérer tout de suite, ce serait dommage. Ok. C'est plutôt bien là. Hop, on va essayer de pas trop se faire mal. Ok, pas de garde ici. Alors, nos 2 otages qu'on a libérés. Les secours vont arriver. Tuer les gardes avant de détacher les otages. Ok. Voilà, c'est la petite mission d'infiltration du début.
Oh, y en a un au-dessus, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je crois qu'il y en avait un autre tout à l'heure. Et allez doucement de toute façon. Je veux juste rentrer chez moi. Les otages sont sauvés, Sabal. Tu honores le nom de ton père, Edge. Je vous en prie. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais en aidant le Sentier d'Or, tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouve. Je vais garder l'or. Merci, Sabal. Détachez-nous, s'il vous plaît. Là, je peux pas pour l'instant. C'est Amita. Je vous l'offre. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi ? De pleurs. Ils n'aiment pas perdre ces joujoux. Tu comprends pas, AJ ? On avait un plan, et maintenant il est foutu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide ! Attends qu'on puisse t'envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. Et Jay, non, non. Ok. Oui. Oh, super. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Si vous n'étiez pas intervenu, je sais pas ce qui serait arrivé. Alors, pour prendre lui. Allez, le chat qui vient. Ah, tu me coinces le fil là. Ah. Allez, continue. Là, on a champ libre apparemment. Ok, une caisse. Ravitaillement. Alors, c'est qui ça? Oh! Ok. Bon, c'est pas mes oignons, ça. Ouais, câlin. Ouais, bisous. Tu me fais. Ah, tu me fais mal avec tes griffes. Ouais, bisous. Alors, attends. Alors, le chat. Alors, on va pas rester sur la route par contre parce qu'on risque de se faire repérer. On va rester un petit peu sur le côté. Alors qu'est-ce que c'est que ce parachute là-bas? Aïe! Je me fais attaquer par un tigre. Salut. Yep. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je suis en train de stream Far Cry 4. Ah. C'est trop beau. Aïe, je me fais attaquer par un tigre en même temps. Mon chat. Tu veux des câlins, hein? Ouais. Ouais. Ouh, ouh, les câlins. Ouh, les câlins.
Allez, on sent. Allez, hop. Alors, on y arrive. Avant-poste. Les avant-postes cibles se repèrent facilement aux colonnes de fumée noire. Ouais, il est trop beau. Tu vas voir, je vais te montrer. Ok, les avant-postes, c'est de les fumer comme ça. Alors, faut que je reprenne cet avant-poste. Donc, on va marquer d'abord les méchants. Alors, j'en vois qu'un pour l'instant. Ah, je vais. Ah, 2, 3. Bah, là, je joue qu'à l'arc maintenant parce que. Il est super silencieux, tu one shot, mais faut pas rater quoi. Ouais. Oh putain, faut pas passer le... je suis dans la merde, je suis dans la merde. Y'a un mec qui veut, qui faille me voir. On va essayer de le tuer. Oh, headshot mon gars. On va descendre par là, hop. Ni vu ni connu, on s'accroupit. Ah, je suis coincé. Oh, lui, il est en plein milieu, on va attendre. Hop, je vais me faire celui-là. Oh, je vais me le faire au couteau lui. Hop. Couteau mon gars. Ah non, moi je crois qu'il en reste plus que deux. Je crois. Hop, couteau. Lui il est mort tout seul en brûlant je crois. Ah ouais. Oh. Ah, il y en a encore un. Hop. Oh là. Comment c'est? Merde. Oh, on a un éléphant en renfort, mon gars. Oh! Tu les gères? Oh! Non, je peux les gérer. Hop! Je dois les chiens. Je suis pas. Hum? Ah, Damien, oui, je suis. Ah non, il est pas. À la date, tu te bats sur les titans. L'éléphant, aide-moi! Oh, vite, je vais mourir! Il me voit pas! Ah. Échange, hop! Beam your face! Voilà! D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien, AJ, mais je dois admettre que...
Tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où déjà ? À Lakshmana ? Le voyage ne sera pas... Né et ici, on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, Ajay. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nous, Ajay. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en réalisant quelque chose de plus grand. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or ? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, Jay. Maman, je crois que je vais rester. Acte 1 terminé. Alors, compétences. Confection. Holster d'armes. C'est ça qu'il me fallait. Portefeuille. On revient dans... Alors, 2 secondes... T'as vu le jeu un peu, Arito ? Il est beau, hein ? Pas switch en bas pour pas gêner les autres. Hop. Channel switched. Alors voilà. Donc. Voilà, on a un holster d'armes. On peut porter une arme de poing avec n'importe quelle arme. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, maintenant, faut qu'on aille où ? Oui. On aille voir H. Je rappelle quelqu'un ça. Ok. Essayez de pas mourir en tombant. J'espère que c'est pas très très loin. Ouah. Oh, le louloucopter. C'est le louloucopter. Oh merde, non. On a loupé le meilleur. On s'est bien vu. Ah ouais. Je suis la cavalerie, mec. Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon Clint Eastwood. Je suis Urk. On m'a parlé de toi, mec. Tu butes tout le monde. On t'appelle le vénère, ouais. Alors je suis là parce que toi et moi, ensemble... On va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or, en plein dans sa gueule. Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or. Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue.
Ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu déconnes. Ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or. Bah, du coup, je comprends mieux. Ok. Eh ben, plombé. Cavalerie préventive. Et ouais, t'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide. Waouh, le... Ah, merde. Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve. Allez, check, mon gars. T'as pas la patate, c'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon, t'es là, et ça, tu vois, je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt. Ok, vive le Sentier d'Or, mon pote. Wouh. Ok, bon. Sacré bonhomme, allez. Alors, joue en coop. Pour jouer en coop, appuyez sur V pour ouvrir la roue, inviter des amis, offrir de l'aide. Ok, pour l'instant... pas de coop. Ok, pour participer à des événements de karma, ça j'ai vu. Dépenser des jetons utilisant V pour y appeler les mercenaires. Donner les mercenaires suivre. Suivre avec V. C'est un peu plus d'informations dans le menu. Ok. Le Lulucopter. Alors, moi déjà, il me faut des armes. Donc, le Lulucopter, on va le prendre. Je ne sais pas comment ça se manie. Monter, descendre. Ok, c'est pas compliqué. On va poser notre Lulucopter ici. Voilà, bon, on a fait un tout petit tour de Lulucopter. Mais bon, au moins... rien là-dedans. Normalement il me faut des armes, donc je pense que c'est là-bas où il y a les deux petits couteaux. Putain, ça balle. Ah non, c'est la suite de l'histoire. Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. Si j'étais toi, je n'entrerais pas moi. Tu sais qui tu me rappelles. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Les soldats de Pagan Min s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Oh, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Un vrai mal. Bon. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Je voudrais pas te déranger, mais tu es Ejegel, c'est ça? Ouais, ma fille. Oh, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. Non. C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... juste ici pour disperser les cendres de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Mais maintenant, tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Oh, mais vas-y, montre à Edge ce que c'est un vrai mal. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Bon, on va faire les deux. Hein. Je pense la mission équilibre de pouvoir sont critiques pour le Sentier d'Or. Oh, mais Amita et Sabad ont des objectifs différents. Parlez aux deux leaders et choisissez celui que vous soutiendrez. Votre choix débloquera deux missions différentes. On créera aussi de nouveaux objectifs pour les missions à venir et décider du nouveau leader du Sentier d'Or jusqu'à la prochaine
Mission équilibre du pouvoir. Ok. Ah, donc il y a une voie à choisir en quelque sorte. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est les armes pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Urgent, attaque de l'armée royale. Nos éclairs conscients. Élection d'Aja égale champ de peur. Le dernier rapport que j'ai reçu des campements sud-est de Banapur indique qu'ils ont intercepté des informations au sujet d'un assaut imminent de l'armée royale. Le campement qui a donné l'alerte a été attaqué hier soir et l'autre ne devrait pas tarder à subir le même sort. Merci d'envoyer toute l'aide possible avant qu'il ne soit trop tard. Sergent Natessa. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'aimerais bien déjà... On peut pas sortir par là. Problématique déjà. Je veux des armes. Alors deux petites secondes, on m'appelle. Mieux qu'un dealer. Si j'étais toi, je n'entrerais pas maintenant. Tu sais qui tu me rappelles. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Les soldats de Pagan Min s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Oh, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Un vrai mal. Bon. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Je voudrais pas vous déranger. Mais tu es Ejegay, c'est ça? Ah, oh, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. Non. C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... juste ici pour disperser les cendres de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Mais maintenant tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Oh, mais vas-y, montre à Edge ce que c'est un vrai mal. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Alors, voilà, ça on l'avait vu. Oh merde, je fais des conneries. Alors, le choix, voilà, c'était ça. Je sais pas ce que j'ai fait.
je me démêle un peu. Voilà. Donc je mets celle-là. Voilà. Voilà. Hop. Alors on continue. Ça, on l'avait vu déjà. Donc ce qu'on va choisir, ça va être... On va prendre la fille, hein. Voilà. Amita, je peux t'avoir ces infos. Ok. On a entendu parler d'une grosse attaque, et puis il y a eu Banapur, mais ça cache quelque chose. Je pense qu'un assaut est toujours prévu, et ces infos peuvent le confirmer. Depuis la dernière attaque, on n'a pas eu de nouvelles du camp. Sois prudent. Ok. Voilà, mission équilibre du poids. Amita veut que vous récupérez des renseignements dans un camp du sentier à proximité. Vous acceptez cette mission, vous rejeterez celle de sa balle. Allez, acceptez. Maintenant, les flingues. Ah, il y a une carte, c'est bien. Alors, notre loulou-coptère qui nous attend toujours. Bon, c'est pas là qu'on va trouver des munitions apparemment. Et notre loulou-coptère n'est plus là. Du coup on peut les refouiller. Alors, pas la peine de miner, on n'est pas très tendre avec les animaux du pirate. Mais j'ai une théorie, les enfants. On est méchant envers les animaux parce que c'est vraiment des... Non, je m'exprime mal. C'est parce que beaucoup croient à la réincarnation. Et il y a pas mal de connards au pirate. Vous vivez ma vie ? Vous voyez les gens vous ? Non. Oh merde. Tant pis, on voulait faire du 4x4. Mais comment cette voiture est arrivée là? Oh, le tigre qui revient. Non. Allez, hop, descends. Voilà. Alors. Il y a beaucoup d'aigles dans l'argent quand même. Hein. Alors ces infos elles sont loin où? Oh, je me suis trompé. Ah non, si c'est ça. Alors, elles sont. Oh, elles sont là, ok. Ah d'accord. Alors on a le loulou-coptère qui est là. On va le marquer. On va aller à le loulou-coptère. Sans la carte, on serait perdu, hein. Ah, il y a la nuit. C'est vraiment sombre, hein. Alors, deux petites secondes dans ma poque. Je regarde. C'est chiant, je suis obligé de faire des retours à chaque fois. Hop. Alors, c'est normal si vous avez un écran noir. Hein.
Ah bah non. Là c'est plus normal si vous avez un écran noir. Ah, c'est pas possible. Je vais la planter. C'est le stream. Ah. Non, le stream est toujours là. Ok. Alors, je t'assure, Kaliska, le chef qui m'envoie un petit message pour mon stream qui me fait, je t'assurerai jamais mes voitures. Et bah c'est pas grave, parce que c'est pas des voitures que je vais, c'est pas une voiture que je vais prendre là, c'est un louloucopter. Et le louloucopter, vous allez voir, ça déchire. Ouais, c'est parti. Louloucopter. Wow. Donc, je vous fais voir en même temps les magnifiques décors de Far Cry en louloucopter. Alors, je sais pas si l'essence est limitée, donc. Ouah! Merde. Oh non. On est dans la merde. Oh. Ah bon, on va pas non plus m'assurer en l'hélicoptère. Ah oui. L'essence est limitée. Apparemment. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Bonjour, EJ. Alors. Alors, on va essayer de filer vite fait en loulocoptère au final. On va éviter le tourisme. Ah, le nez qui gratte, excusez-moi. Allez, cette fois on y est. Oh non, 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 non. Sors, sors du loulou-copter. Ah, je pense qu'il y a une hauteur à pas dépasser, peut-être. C'est pas grave. Alors, je vois qu'il y a un relais ici, pas très loin. Ouais, faut vraiment faire gaffe ici, oh la vache. Ah, un tigre. Je ne vois absolument rien. Voilà, c'est mieux. Est-ce qu'ils ont eu le tigre ou c'est le tigre? Oh, c'est le tigre qui les a eu. Donc on va aller doucement. Je crois que le tigre nous a vu. On essaie de se faire le tigre quoi. Non, on va le laisser tranquille. Bon, déjà on va changer d'arme. Oula. Non, 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 non. Oh la vache! Il nous a flairé, il nous a senti.
Alors, on va se soigner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cloche? Moulin à prière trouvé. 1 sur 40, ok. Des petits objectifs en plus. Sac à feuilles pleine, ok. On va essayer de suivre un chemin quand même. Ah, voilà un chemin. Ah non, c'est pas un chemin. Alors c'est un pont construit au milieu de nulle part. Ah non, si. Ah mais c'est génial, dis donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce pont? Bon, si, c'est un petit chemin quand même. Ouh. Alors. Ouh. Ah, vas-y, va voir là-bas ce que c'est. Rends-toi et on t'achèvera vite fait. Oh vache, ouais. Je voulais aller tranquille, il y a un léopard qui s'est ramené quoi. Ah, on a oublié de dépecer le tigre, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est con. Ouais, il y a des bestioles partout là. Celui-là, on va pas pouvoir le dépecer. Fouille impossible, sac à butin en pleine, ok. Plein, ok. Bon. Alors comment on fait pour voir un sac à butin? Sac à butin. On a des cartes à jouer, on va les jeter. Pipe à opium, ça se vend 10 000 quand même. On va garder, on va le vendre plus tard. Il faudrait un marchand. Gant chirurgical. Alors, ouais. Poudoulou, feuilles violettes, la Bible, fil de cuivre. On a vraiment plein de conneries dedans en fait. Cuillère, fourchette. Bon, ça on va jeter. Sac de riz. Je sais pas. Un film en 3D. Un point américain qu'on a récupéré au tout début. Livre de psychologie. On va le jeter. Hein. Un message de maman. Ah, ça, on va le garder. C'est le message de maman. Feuille violette. Fil de cuivre, je sais pas. Feuille violette. Non, ça, on va garder. Bande dessinée. On va jeter. Badge. La Bible, une version lue et relue de la Bible du roi Jacques. Les passages contenant référence à la violence étaient soulignés et les mots d'armes inscrits dans la marche. Ok, bon, on va le jeter aussi. Ah, lui, c'est un marchand, je suis sûr. Ah, c'est lui. Vendre. Bah voilà, on a jeté des trucs en fait. Vendre. On va faire ça vite. Pour bas. Bon, ça, on se souvient. Oh, la pipe à crack. Ah, oh, on en avait deux. Une compilation. 6800. Le mec, il prend tout, quoi. Mignonnette. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas grave, on vend. Pochette d'allumettes. On va garder, on sait jamais. Maillot de corps. Feuille violette, fil de cuivre. Feuille verte, film en 3D. On peut le vendre. Dessin d'enfant. Ouais, on en vend tout. Acheter et personnaliser. Ah, voilà. Et après, on va s'attarder aussi sur l'arbre de talent. On va voir ce qu'on a. Seringue de soin. Gilet pare-balles. Jeton mercenaire. Alors, dans les armes, qu'est-ce qu'on a? Arc de chasseur.
Voilà, non, pas l'arc de chasseur. Arme de poing uniquement, ok. Arme de poing, arme de poing, arme de poing, on a ça. On va acheter ça. Voilà. Acheter. Voilà. Ensuite. Plein de munitions, oui. Ah, il y avait le marchand de sable. Attends, par quoi tout de suite. Personnalisé, on va faire arme. Voilà. Celle-ci, personnalisée. Holster. Tiens, on va le mettre là. On peut pas mettre pas de silencieux, pas de lunettes. Ok. On s'en fiche un petit peu. J'ai quand même pas mal d'armes. Oh, on a un RPG. Pas mal d'armes sympas. Voilà. Alors maintenant. Ah, des tapirs, je crois que c'était. Alors, le jour s'est levé, je vais vous montrer un peu la distance d'affichage. Il est incroyable ce machin! Oh la vache! Je l'avais même pas vu. Donc, je disais, je vais vous montrer la distance d'affichage. Si j'arrive. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en pleine journée. Voilà, hein. Tout ce que vous voyez est explorable et la seule limite c'est les montagnes. Toujours beau à regarder, mais il y a des paysages qui sont plus beaux que ça, mais je crois que c'est de l'autre côté de la falaise là. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Allez, je suis plus qu'à 200 mètres de mon objectif. Oh, je t'avais vu, hein. Oh, un louloucopter. Est-ce qu'on retente? Comme ça, bon, on est en plein milieu. Le pauvre. Je suis dans la merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivé, en fait. Ok, ok, c'est le camp ennemi. J'avais oublié, c'est vrai que je devais récupérer un document. Suis-je bête? Ah, les mercenaires ne sont pas disponibles pendant l'émission, donc ça sert à rien. Oh, lui, il a un arc.
Oh. Ok, ils peuvent faire, ils peuvent charmer les prédateurs, ils peuvent. Ah d'accord, donc c'est vraiment. Oh, on a une AK-47. Et une arme de poing silencieuse, donc. Ça devrait le faire. Alors. Faut que je trouve des renseignements. Dans cette zone, et là, à part ici. J'ai les pare-balles que j'avais pas vues. Ah, c'est là. On a fait un pire, mais nous avons attaqué les repris contrôle de la vallée des Pagan. Mais vous, seulement aujourd'hui, nous sommes en guerre. La bataille sera longue et difficile, mais je vous demande, mes frères et sœurs du sentier d'or, de vous rassembler afin de surmonter les épreuves que cette guerre nous fera traverser la libération du Kayat à ce prix. Okay, c'était pas ça. Alors, où sont ces renseignements? Alors, je vois les zones là. C'est dans cette zone-là qu'il faut qu'on cherche. Oh là là là. Alors moi je veux des renseignements, c'est pas compliqué. C'est marqué là pourtant. Ah bah voilà. Bon, comment ça se fait que je. Alors soit il y a un bug. Soit il y a un bug. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, attendez, parce que là on est en train de se noyer. Alors deux petites secondes parce que j'en appelle.
Alors, désolé, j'ai failli me noyer entre temps. C'est des affaires, c'est des affaires. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Te noie pas, mon gars. Voilà ce que je voulais faire. C'est sur eux? Bah oui, mais c'est sur eux. J'ai fouillé le gars tout à l'heure. Peut-être fouillé un peu trop vite. C'est bien sûr que c'est par ici. Alors là, c'est soit sur lui. Ah, mais si, mais je l'avais fouillé lui. Non? Oh, voilà. La nuit, elle tombe très vite par contre, je trouve. Alors là, faut qu'on grimpe par contre. Ça va être par là. Hop. Amita, j'ai les infos. Ok, AJ. Maintenant, rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Je crois que je l'avais pas vu, lui. Je l'ai aperçu, là, parmi la fumée, mais... Ouah ! Ok. Il y a des chasseurs. On va faire ce qu'on va récupérer notre louloucoptère et on va se barrer. Ah, il est là. Hélicoptère, tu peux te le faire. Tu peux te redresser. Oh! Fais-toi. Ok. Ah, donc ça sert à ça, ce chalumeau magique. Ok. Tant pis, notre fidèle loulou-copter nous a abandonné. Alors par contre, je sens que ça va être à redescendre, qu'il va avoir des chasseurs partout. Alors ça, c'est une bête charmée apparemment. Non, si, c'est ça. Ils ont des aigles qui travaillent pour eux. Ok. Oh, c'est beau. La lune, ah, elle bouge vite quand même, hein. Elle va bouger. Hop. Ah, il est là. Ok, du coup, le loup, il est parti. À tes petites fesses. Vraiment plaisant. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Attendez. Les compétences, le tigre et l'éléphant. La mort vient. Wow.
La mort vient d'en sauter et de retomber sur un ennemi au-dessus de vous pour l'exécuter si vous avez débloqué la compétence d'exécution enchaînée. Ok, alors attendez. Voilà. Là ensuite, exécution, l'ancienne exécution avec F. L'ancienne exécution sur un ennemi avec F, puis appuyer sur un pour lancer un couteau sur un autre. Ah, c'est pas mal ça. Ok, l'éléphant c'est plus la vie, force, tranquillité, soin de soin. Ah bah ça, offre une barre de santé supplémentaire. Ok. Ah, oh, on a combien de points de compétence? Ah, on en a 4 encore, d'accord. Moi je vous propose de prendre ça. Ça c'est stylé. Vous êtes moins vulnérable aux dégâts des flammes et des explosions. Vous allez enclencher 2 fois plus vite des feuilles. L'outil de préparation joue plus rapidement. Soigne de soin restaure 4 barres de santé. Tenez ou pour monter sur un éléphant, puis changer F pour exécuter un ennemi. Oh, pas mal. On va prendre l'éléphant. La compétence éléphant, ça a l'air chouette. Voilà. Oh non! Ah, ça c'est pas juste. Ça c'est pas juste. Amita, j'ai les infos. Ok, AJ. Maintenant, rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Et comment je vois la zone dans laquelle je peux rester? Ça, on peut pas. On peut pas. Attends, je suis pas loin. Ouh. Ce que je fais. Hop. Fatigue le silencieux. C'est bien les flèches, le mec. Il faut évoluer. Ah, du coup ça a pas pris en compte mais attendez. Ça a pas pris en compte mais mes compétences, alors hop, on va faire ça vite fait, hop. Ça. On avait pris quoi d'autre? L'éléphant. Voilà. Ah, entendu siffler, alors qu'est-ce que... Que tout le monde garde bien les yeux ouverts. Aucun. Non, non, je quitte pas la scène de mission, regarde. Non, mais non. Oh, c'est pas possible, je donne des coups de couteau et ça marche pas. Thank you.
Alors, il y en avait un par là. Et comme ça se fait que je quitte la zone de mission et eux, ils viennent de nulle part. Alors attends, est-ce qu'on tire ou pas? Ok. Restons calme. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Alors là, ça rigole plus. Voilà. On est un peu plus bourrin en fait. Amita, tout le monde est mort ici. Merde. C'était des bons soldats. Ils sont morts. Dis-moi que ce sera pas pour rien. Tu as trouvé des infos? On dirait la carte d'un genre de temple. Parfait, AJ. C'est peut-être important. Je vais regarder ça. Merci de m'avoir suivi sur ce coup. Karma. Ok, mais c'est bon. Où il y a des événements de karma là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'aille voir Bobby. Alors attendez, il n'y a pas une tour à libérer là? On a une lame, mais elle est très loin. Et Bobby, il est où? Il est là. Bobby, alors clocher, on va aller là. On va aller libérer cette tour. Elle meurt. Oh là là, c'est quoi ce gars là? Il a mis un chargeur. Amita, tout le monde est mort ici. Merde. C'était des bons soldats. Ils sont morts. Dis-moi que ce sera pas pour rien. Tu as trouvé des infos? On dirait la carte d'un genre de temple. Parfait, AJ. C'est peut-être. On va aller les écraser. Je vais regarder ça. Merci de m'avoir suivi sur ce coup. T'inquiète, cocotte. Et on va les écraser. Hop. On va pas rester là.
attention, elle bouge vite la lune. Hop. Petite promenade, alors. Alors je sens que ça va être bourré de... Bourré de soldats. On va faire gaffe, on va libérer cette tour et on va finir la vidéo là. Ça sera notre dernier objectif. Ah là il fait bien noir. Ah, ils nous ont pété les phares en plus ces enfoirés. Je sais pas ce qu'ils commencent à faire jour, qu'ils se sont éteints. Non, ils commencent à faire jour. Le jour se lève, très vite. Oh non non non. Oh. Tombe pas maintenant, ça serait dommage. Hop. Avec style. Allez, la tour. Tour publiciste. Ouais, c'était quoi ça? Je me demande comment elle tient la tour quand même. Hein. Hop. Voilà comment on pirate encore chez nous. Hein. Hop. Allez, on va voir les lieux qu'on a débloqués. La clinique des partisans. Lieu découvert. Ah, c'est pas mal ça. D'accord. Ensuite. Corten de la grande sécheresse. Les bûchers de Banassur. Ah, c'est un lieu méchant. Et voilà. Et ça résonne pas. Donc, hop. Et là, petite tyrolienne. On a besoin d'aide. Je demande une assistance urgente. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je demande une assistance urgente. Si quelqu'un m'entend, réponds. Allô? Vind? C'est toi? Il y a personne de ce nom ici. Fais chier, il est en retard. À qui bon. Tu parles? Hey, Jegel. Et toi, t'es qui? AJ Gale? Une seconde. AJ, oui, je vois qui tu es. C'est Gopal, du Sentier d'Or. On aurait besoin de ton aide. Mon unité s'occupe du ravitaillement pour la cause. Mais je manque de bras, là. AJ, l'armée royale ravitaille des troupes dans la région. Je vais t'envoyer les coordonnées des zones d'échange. Retrouve les colis avant que les soldats ne mettent la main dessus. Il y a quoi dans ces colis? Des trucs dont on a besoin. Ok, je vais les retrouver. Ok, donc voilà, alors voilà, on va finir là, nous, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse sur une vue de la vallée, donc toujours aussi belle, hein. On se retrouve donc du coup la prochaine fois, peut-être pour la suite de Far Cry, peut-être sur Assassin's Creed, peut-être sur Call of Duty, on verra, selon les humeurs. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir des avant-premières comme ça. Là, il y a bientôt The Crew qui va sortir, donc on va être dessus, on l'attend.
chez Lilium Gaming. Il y a pas mal de monde qui va le prendre. On attend à se faire des petites parties fun dessus. Et à le tester par la même occasion et vous en dire et vous dire ce qu'on en pense. Voilà. Donc Far Cry, c'est un jeu que je recommande vraiment. Si vous avez bien aimé celui d'avant déjà, il y a quand même pas mal d'ajouts. Bon, il y a quand même quelques trucs qui ont été recyclés, mais... Oh, je me fais attaquer. Donc, mais quand même, ça reste un bon jeu, un très très bon jeu, donc qui est très très beau à explorer, un monde ouvert, génial. Je vous remercie encore et je vous dis donc à la prochaine fois. Allez, ciao ciao tout le monde.